En plus que oui, je viens de capter, de me rappeler, mais Diddy Kong a un très bon match-up sur Pokémon Trainer. Oh. Aucune raison de jouer Rob en fait. Ah oh, intéressant, intéressant. Aucune raison de jouer Rob. Sinon toi comment se passe ta run? Bon ça se passe hein, moi j'ai Master juste après, tranquillou. Bah bonne chance. Le petit Félix, le petit Félix il joue bien. J'ai laissé mon sac sur ciel, quelque part. T'es seul en alors. Mais ouais le petit Félix il joue bien. Ah non tu joues. Mais ça s'est bien passé quand même. Quoi qu'il en soit, ben on est parti sur Oulu pour cette game 1 entre les deux joueurs. Donc, bel et bien Diddy Kong du côté du joueur GG, du côté de Fel, pendant que Zaf, lui, sortira Pokémon Trainer, format de Carapuce pour l'instant. On connaît le principe avec Pokémon Trainer, grossièrement, Carapuce à bas pour ça pour gratter. Là, il va pas tarder à suivre sur Herbizarre pour Edgeguard, Ledge Trap. Herbizarre pour Ledge Trap et kill. Aïe, la première SD de la part de Fel, c'est dommage. C'est dommage. Finito Rob, t'es sûr de toi, Grim? Finito Rob? Ah ouais. C'est possible, mais c'est possible, ça me parle qu'il ait parlé de revenir vraiment sérieusement sur Diddy plutôt. Ah ça se comprendra, ouais. Il avait un peu de mal. Et malheureusement, Astral qui va se faire master, on lui souhaite bonne chance tandis que le match Zafel se poursuit. Ok, pour l'instant c'est Zaf qui a un gros avantage. Hein. On voit qu'il a l'habitude et que c'est pas parce qu'il a un match-up des enfers qu'il s'en sort pas. C'est relativement propre pour l'instant. Ok, le petit Phantom Bunny hop, ça sort des petits trucs. Ok, est-ce qu'il va réussir à prendre la stock là-dessus? Et non, malheureusement, c'est B qui ne touche pas. C'est B qui touche, mais pas en sweet spot, j'ai l'impression. J'avais pas l'impression que c'était un vrai gros sweet spot. J'ai vu tuer plutôt que ça. Cela dit, là, il est bien à kill pour cent. Hein. Il est bien à kill pour cent. Fel qui est pas loin de la mort sur un mauvais donner. Ok, la petite F-roll, pas mal de pummel, c'est pas mal, et... Oh, beau trade de la part de Zaf qui arrive à gimp la stock au nerf. Et ça va repartir du coup sur un carapuce pour prendre des pourcents. Ok, down throw, up throw, c'est pas mal. Ok, ça part sur une down throw, pas de follow up, c'est pas mal. Il arrive à bien s'adapter, hein. Le match-up a beau être horrible. Tout à l'heure, c'est qui caste avec toi? Je reconnais pas. Alors, on a eu... Pendant que j'étais parti, il y a 5 minutes, il y avait Spec et Astral qui ont commenté pendant genre même pas 5 minutes avant le début du match. Ensuite, on a Spec qui est parti affronter Murci du coup, et on a Astral qui vient de partir affronter Master. Ok, ça tend des... Pour l'instant, Zaf qui gère. Hein. Zaf qui gère cette game. Hein. Ok, Donner, c'est pas mal, ça met les pourcents. Et la ride de Smash. Cette ride de Smash, c'est pas mal. Hop, le son n'est plus décalé. Merci de prévenir. On te remercie du fond du cœur. Ok, du coup, Zaf qui gère, Zaf qui prend cette première game sans la moindre difficulté. Faut dire qu'avec qu'il part en guerre contre le Emu Samu, j'avoue. On lui souhaite bonne chance, comme on dit. Hein. On lui souhaite bonne chance. Ok. Donc, du coup, ça va repartir sur un Diddy. Ça repart sur un Diddy Mario, là. Enfin, un Diddy PK. PK Trainer. Le PK Trainer. Et oui, ça va repartir sur un PK Trainer. Ok. Alors. Du coup, cette première game qui était vachement en faveur. Faudrait que je demande à Astral pourquoi le match-up est si horrible que ça pour PK. Mais en vrai, ça a pas l'air d'être tanka que ça. Hein. Ça a pas l'air d'être tanka que ça. La banane a pas l'air de faire trop chier à Zaf qui arrive. Ouais, qui fait du Zaf quoi. Ouais, il sait faire. Hein. Il sait faire 57% en une phase, on connaît. Hein. Oh, c'est quoi ce F-tilt là? Ok, le petit don't tilt, il arrive à caler de ses trucs. Pourtant, il se fait remonter en termes de pourcent. Putain, Diddy Kong qui fait des... Diddy Kong, ça a l'air de faire un peu de dégâts quand même. Hein. Ça a l'air de un peu taper quand il veut. Hein. Ouh, cette read qui fait mal sur ce smash. Ah, c'est dommage, la drift out de Fel qui est bonne et qui peut punir ce side B, quoi. Je pensais que c'était impossible. Ok, le B pour sortir du ledge, c'est pas mal, ça touche au-dessus.
Ok, side B, je pense pas que c'était un fer, peut-être que c'en était un, je ne sais pas. Le smash qui ne vient pas tuer parce que c'est Diddy Kong et que c'est même à 100, ça ne tue pas à l'autre bout de la map. Ok, la banane qui touche, ça ne suffit pas, il arrive à la sortir, c'est pas mal ce smash qui vient tuer, qui vient enlever cette première stock as off, qui décidément a perdu cet avantage qu'il avait sur la première, qui décidément n'a rien perdu de la première game. Chiche. Chiche, il lui a fait œil pour œil, dent pour dent, tu prends ta stock. Ok, la petite banane qui part dans le vide, c'est dommage. Ok, dash attack fer qui whiff, la guette up attack qui vient en retirer du ledge, c'est pas mal. Ça sort du ledge trap. Ça sort de cette trap qui doit être un peu compliqué pour Diddy Kong, quoique avec son side B, il a moyen de faire des trucs. Ok, 4 side B d'affilée, fallait bien qu'il y en ait un qui touche. Ok, ça float pour essayer d'envoyer plus loin. Là, il joue bien avec la banane. Il joue très très bien avec la banane sur ce deuxième stock. Il arrive à mettre une pression de fou avec. Malheureusement, ça ne suffit pas face à Zaf qui sait se reprendre. Ok, le petit side B qui met des dégâts. Ah, le B pour sortir de cette phase un peu chiante. Ok, il sort le air bizarre, changement radical de gameplay, le smash qui sort un peu de nulle part, c'est dommage. Ok. J'avoue que je s'amuse contre Mario, ça paraît pas logique. Ok, le side B qui envoie off stage, Zaf qui se fait remonter petit à petit, hein. Fel qui est là, comme son pseudo, est là pour prouver des choses. Il est là pour prouver, c'est le prouveur. Ok, B, deuxième B, troisième B. Oh, bien space ce B. Ok, heureusement que le B ne touchait pas en sweet spot du côté de Zaf, sinon ça aurait été la stock. Il s'éloigne loin, il a pas envie de se le prendre. Oh, ce B qui est bien touché, ce B qui vient envoyer offstage. Pardon, pas offstage, la dash attack qui vient de tuer. La dash attack qui avec un peu de rage vient tuer, c'est cool pour Zaf. C'est cool pour Zaf qui doit réussir à prendre cette dernière stock. Avec Dracofeu, en vrai, il y a moyen. Un side B aurait pas pu catch toutes les options. Il aurait peut-être pas catch la rolline, mais en vrai, il y avait tellement moyen de faire des trucs. Ok, petit backer qui vient mettre offstage ce Zaf qui est à 200%, qui tient avec ce Dracofeu. Le Dracofeu de Zaf qui, on n'oublie pas, a un carrière, un kill power. Il a le clutch power. Ok, il arrive toujours à bien caler ses rides de smash, ses rides sur des smash. Mon dieu. Mais Zaf, mais calme-toi, ça fait 3 smash. Ok, le B qui touche. Petit flug. Oh. Oh, le gimp. Et... Oh, le B. Oh, c'est propre. Oh, c'est propre. Ce B qui vient bien toucher sur l'haricot du Diddy Kong. La game est finie ? Oui. Oh, le C est fini ? Oui. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah merde. Oh, chiche. J'aurais voulu commenter, moi. Comment ? Non, je suis parti en spec aujourd'hui.